Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Bonjour Éric, comment ça va? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Je vois qu'on a des patins, mais aujourd'hui, je suis assez curieux de t'entendre me parler des Bauer sur mesure. Oui, effectivement, c'est nouveau depuis peut-être 2 ans. Bauer fait des patins sur mesure. Moi, j'en reviens pas. Écoute, quand les premières fois que j'ai entendu parler de ça, je disais, mais non, mais on est complètement ailleurs. La technologie et la business du hockey est en train d'exploser. Oui, ça a beaucoup changé depuis 3-4 ans, je te dirais. Mmh. Maintenant, il est possible de se faire des patins sur mesure par Bauer. Okay. Choisis ta langue, tu peux mettre ton nom sur la langue, choisis tes lames. La façon que les œillets sont placés, c'est vraiment... La façon des œillets là, sont placés, c'est, j'imagine, c'est une implication sur ta flexibilité, comment tu te places pour patiner, etc. Si tu es un patineur qui est plus vers l'avant, j'imagine ça change... Exactement, selon selon le type de joueur. OK. OK. Et comment ça fonctionne quand tu arrives en boutique? Parce que là, il y a quand même plusieurs sélections. Les jeunes peuvent venir avec leurs parents, mais ça reste leur choix à eux. Les joueurs, ils ont quand même des particularités. Oui, exact. Donc, quand le client arrive en magasin, le jeune joueur ou un adulte, on a une série de questions qu'on va lui poser selon ses besoins. Okay. Type de joueur, combien de fois par semaine il joue. On peut vraiment faire n'importe quoi avec les patins Bauer. C'est un problème de pied. Souvent, c'est difficile de se trouver des patins qui font bien. Okay. Donc, nous, en magasin, avec les patins Bauer, My Bauer, on est capable de s'arranger avec ça. Wow! Ça veut dire, finalement, qu'au niveau du modelage, on est capable d'avoir l'empreinte du pied ou pratiquement. Exact. Avec un scanner, on a un scanner avec 64 caméras. Ça prend 7 secondes. Puis on a vraiment la forme du pied exact. J'achète. Mais j'aimerais ça quand même que tu nous parles du Vapor parce que le Pro, 2X Pro, a quand même des particularités intéressantes. Celui-là, surtout, écoute, j'ai lu des choses, puis là, je constate qu'il y a quelque chose de spécial par rapport au bout du pied. Exactement. L'embout, il y a plus de 25 000 scans de pieds qui ont été faits par Bauer pour développer cet embout, donc il fait à une multitude de pieds. Alors vraiment, encore une fois, recherche de confort, mais aussi de sécurité, là. Exactement. Plus de protection, plus de confort. Ouais, la beauté, par exemple, dans le hockey, surtout le hockey professionnel, c'est qu'il y a plus qu'un bon joueur quand même. Et il y a des patins pour différents styles de joueurs. Et pour moi, d'avoir eu la chance de le côtoyer puis de le voir jouer durant les compétitions, surtout les compétitions internationales, mais aussi lors des conquêtes de la Coupe Stanley, pour moi, Sidney Crosby est un petit quelque chose. Comment ça, tu nous parles de ses patins? Effectivement, c'est exactement le modèle que Sidney Crosby utilise depuis l'année dernière, le Ribcord 80K. Et lui, c'est un patin qui a beaucoup de souplesse. On le sait, Crosby, c'est un patineur qui aime beaucoup fléchir les jambes, puis il est très solide. Il va souvent en coin de patinoire pour bagarrer, pour des rondelles, mais aussi pour défier l'adversaire. Donc, le niveau de flexibilité et de réponse pour ses patins, c'est quand même super important. Oui, exact. Mais de nos jours, les patins sont de plus en plus raide, mais le CCM offre une option beaucoup plus souple avec le Ribcord 80K pour des joueurs comme Sidney Crosby. Puis ce qui est fascinant de ces patins-là, c'est que même avec la souplesse, le joueur n'est pas déstabilisé dans le sens que les patins sont souples comme ça, mais sur les côtés et le talon, tout ça, c'est très rigide. Donc, il est quand même capable de maintenir sa position. C'est dur, là. Je regarde ça, c'est quand même rigide. Ça n'a rien à voir avec les patins d'antan. Non, non. C'est moins rigide qu'un SuperTax, par exemple, mais beaucoup plus souple, assez souple pour être très confortable. Ouais. Et encore une fois, il y a toute la caractéristique de la lame. Celle-là a quelque chose d'assez particulier aussi. Elle est amovible, là. Exactement, elle est amovible. C'est un nouveau... Bauer avait ça depuis quelques années, mais CCM est arrivé avec ça cette année sur 2 modèles. Okay. En quelques secondes, tu défais la vis, tu enlèves la lame, tu la changes. Puis tu manques pas de temps sur la patinoire. Alors, et au niveau de l'entretien de ces lames-là, c'est un entretien qui est standard, quoi? C'est régulier? Parce que quand même, on voit les composantes, à mon âge, dans mon temps... Non, mais tu sais, les lames sont noires, les lames ont des composantes différentes. Maintenant, il y a différents matériaux qui sont utilisés. Est-ce que ça change l'affûtage? L'affûtage, c'est pratiquement la même chose, mais c'est l'entretien que nous, on fait en magasin. On a des pierres précises pour pas abîmer l'enduit qui est par-dessus les lames. Il y a quand même un autre élément qui est super intéressant là-dedans, c'est la mousse à l'intérieur des patins. Qui crée comme une botte de ski, en fait. Oui, presque. Ça, belle comparaison. C'est quand même assez mou. Donc, quand tu l'enfiles, tu le fais chauffer, le confort est vraiment... Ça vient adhérer, moule à ton pied, exactement. Et ça vient vraiment faire... Fait que là, c'est comme des pantoufles. Oui, exact. Et on vous invite à rester avec nous la semaine prochaine parce qu'on a encore d'autres choses d'assez intéressantes du côté des patins. Bonjour, ici.